Bonjour à tous et à toutes. Je vous demanderai de rejoindre les places assez rapidement. Comme vous l'avez entendu ce matin, notre présidente nous a donné des consignes claires en ce qui concerne la maîtrise du temps et notamment en lien avec le fait que vous devez suivre d'autres ateliers qui sont sur d'autres espaces, parfois un petit peu éloignés. Donc on va attendre quand même encore quelques minutes pour vraiment démarrer. La première chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le technicien m'a informé, et je vous le dis tout de suite parce qu'on souhaite un débat fort avec la salle, qu'il va falloir attendre le micro pour poser vos questions, parce que sinon vous ne serez pas enregistré. Donc je vous demanderai, quand vous voudrez prendre la parole, de bien attendre le micro qui va circuler. Ma collègue est là avec le micro, donc n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde dehors? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a encore beaucoup de monde dehors? Merci. Ça va mieux là? Ah, super. 25 personnes. D'accord. Ça fait combien de personnes là? C'est pas mal. Oui, c'est vraiment pas mal. Hein. Mais c'est bien. Hein. Non, mais on est contents. J'espère qu'on va être... J'espère que ça va bien. J'espère aussi qu'ils vont être actifs aussi. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Je vais leur dire. Pas de flash. Je rigole. C'est pourri. Ah, l'espion du BN est là. Je l'ai vu. Oh, je rigole. Les espions. Il y en a plusieurs. Ah! On a bien son petit cordon. En plus, il y a des gens. Ah oui. Des gens chez moi. Ah oui, 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 bah moi aussi. Oui, il y en a une, deux, trois. J'en ai vu trois. Je fais la gaffe. Trois, quatre. À Mulhouse, vous êtes chargé de la. D'accord, très bien. Ah oui, bah c'est vraiment le rôle de l'agent. Ouais. Opérationnel et le... Ouais, c'est bien. Moi, c'est un grand réseau, non? Vous avez beaucoup sept. De sites. Sept sites. Une centaine d'agents quand même. Oui, c'est quand même... Abaissé, ah ouais. 3-7. Ouais, en effet. Ouais. Vous avez un bibliobus sur là? Interco, oui. Mais bon, ah, mais vous êtes en interco, vous dites ça? Non, pas du tout. Non, pas réussi à basculer. Je pense qu'il n'y a absolument aucune. Il n'y a pas de chance que ça arrive. Hein. Non, c'est des questions politiques. Tout ça. Oui. Ouais. Je trouve que les municipalités sont vraiment attachées à leurs équipements. Bon, tant mieux. Voilà, on ne va pas pleurer. Ouais. Et puis je pense que non. Bah, il y a même. S'il y a toute la BM de Mulhouse qui vient. Bah oui, forcément, vous avez vos. Voilà. Non, mais moi, je parle. Ouais, ben. C'est quelle couleur politique maintenant, Mulhouse, comme ça, la passée c'est UNP, c'est toujours Jean-Marie Bocquet ou c'est... Alors non, ça s'est fait en deux temps, donc c'est M. Jean Rottner, qui était premier adjoint et qui a basculé sur le poste de maire, mais sans élection, d'accord. Enfin, élection en scène, lors du départ de Bocquet. D'accord, ouais. Et là, il a été élu. D'accord. Maintenant, il a. Oui, il ça change un peu. Ah ouais, moi je pense que les avis c'est font impressionnant. Il s'est révélé, c'est ça? Ouais, je l'ai vu juste avant et juste après. Mais non, c'est bien, pas même c'est bien. Quoi, ouais. C'est même après. Le fait d'avoir la légitimité démocratique, ça doit. C'est là où on se rend compte que ça. Ouais, mais ça reste fort, hein, moi je trouve que ça reste fort. C'est pour ça que. Enfin, il se passe quelque chose de particulier dans la démocratie non participative aussi. C'est vrai. Ça n'empêche pas de faire de la collaboration, etc. Mais c'est quand même pas rien. Et en même temps, je pense que si ça fonctionnait vraiment terriblement bien, comme ça devrait, on n'aurait même pas besoin. Non, moi je pense qu'on n'aurait pas besoin. Personnellement, je trouve qu'on n'aurait pas besoin. Après, on n'aurait pas besoin de démocratie participative, non, on aurait peut-être besoin de dialogue, d'instances pour discuter plus directement avec le public. Mais c'est pas dans la culture. Ouais, c'est pas dans la culture. Bon, la porte vient de se fermer, donc j'imagine que nous sommes au complet. Je vous resalue pour ceux qui étaient là quand je l'ai fait. Je vous salue pour ceux qui viennent d'arriver. Je répète la petite consigne qui est d'une part la maîtrise du temps
pour vous permettre de profiter de ces journées pleinement. Et puis d'autre part, le fait que nous allons demander une grande interactivité avec la salle, je vais y revenir, et donc il faudra bien attendre, avant de prendre la parole, que le micro vienne à vous pour que vous puissiez être enregistré. C'est très important pour la mémoire du congrès aussi. Alors, nous sommes en début de congrès, ça ne vous a pas échappé, donc bienvenue en Alsace, à Strasbourg. Et puis, ça nous donne peut-être une petite force à nous dans cette table ronde, c'est de se dire que, comme on est en début de congrès, eh bien, les choses, on va pouvoir les dire sans avoir l'impression de les répéter. Vous n'aurez pas l'impression de les avoir déjà entendues, ce qui sera peut-être le cas à l'usage plus tard, et ce qui est normal, puisqu'on s'aperçoit quand on bâtit un projet comme celui-ci avec ces sujets, qu'on est souvent, et mais collègues autour de la table me l'ont bien confirmé, on est souvent aux frontières des autres sujets, des autres tables rondes, etc. Donc on pourra peut-être faire des incursions sur l'une ou l'autre problématique. Est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon? Ok. Donc, je vais vous présenter les intervenants à cette table ronde, la bibliothèque incompréhensible pour l'usager. Alors tout d'abord, monsieur Benoît, tu le... J'ai réussi, Benoît, super. Qui est adjoint à la directrice du département du dépôt légal à la BNF, qui est également l'auteur d'un article très important qui s'intitule « Contrat sur le lecteur, les excès de la contractualisation », qui est paru dans le BBF numéro 4 en 2013, que vous avez peut-être lu et que nous vous engageons sinon, bien sûr, à lire. Mais dans une vie antérieure, il a également travaillé... en lecture publique, à la BPI notamment, et il a dirigé des bibliothèques publiques, la BM de Boulogne-sur-Mer et le réseau de Nanterre, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, à sa gauche, Anne-Catherine Fritzinger ou Fritzinger, je vais pouvoir me le permettre aujourd'hui à Strasbourg, je pense, donc Anne-Catherine Fritzinger, qui est directrice adjointe de la BUPMC, Sorbonne Université. Elle va pouvoir m'aider hein, si je me trompe, parce que c'est une situation assez complexe. Donc la BUPMC, ce sont 17 bibliothèques intégrées, 9 sur le campus Jussieu, 7 bibliothèques médicales à Paris, la Pitié, Saint-Antoine, Trousseau, Axial, Tenon, Dechaume et Charcot, où on trouve un fonds patrimonial, et une bibliothèque de la station marine de Banyuls-sur-Mer, qui reste quelque chose de mystérieux, mais elle va très certainement nous l'expliquer au cours de ses interventions. Et puis, enfin, à sa gauche également, Elisabeth Roselot, qui est directrice des médiathèques de Créteil, et qui nous fera part notamment d'expériences qu'elle a vécues lors de l'ouverture récente d'un établissement important de 5 400 m² dans un quartier populaire, la médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela, si je ne m'abuse. À noter que les médiathèques de Créteil appartiennent au réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne, avec 8 bibliothèques et un service itinérant intercommunal. Quant à ce qui me concerne quand même, donc je suis Anna Marcusi, je suis vice-présidente du groupe ABF Alsace et je suis également directrice adjointe de l'ABM de Mulhouse, où je m'occupe spécifiquement du service aux usagers, de la lecture publique et de la gestion des ressources humaines. Quelques mots d'introduction, quand même, il en faut, c'est l'usage. Donc, la bibliothèque incompréhensible pour l'usager. N'y a-t-il finalement pas pire paradoxe que celui-ci ? Ou la bibliothèque, un établissement dont l'objet même est l'ouverture au public, et ce, quel que soit le public, j'en veux pour preuve d'ailleurs les incessants débats que nous avons et que nous aurons dans les années qui viennent autour des horaires d'ouverture. Donc cet établissement devient infréquentable par celui-ci, faute des clés de compréhension de son utilisation. Qu'est-ce que cela interroge en nous, professionnels, bibliothécaires ? Quels sont les freins à cette compréhension? S'agit-il d'actions volontaires ou de réflexes pavloviens de bibliothécaires qui se retranchent encore, parfois, derrière un certain nombre de reliques protectrices, le jargon, la posture, etc., lui permettant d'écarter le danger? Mais quel danger? L'usager est-il un ennemi naturel des bibliothèques et pourquoi? Depuis plus de 10 ans maintenant, la mutation du métier de bibliothécaire, on a eu l'occasion d'en parler souvent, y compris lors des précédents congrès de l'ABF, a inclus comme priorité absolue le recentrage autour de l'accueil du public.
En tant que responsable RH de ma bibliothèque, je peux témoigner que même si quelques bastions résistent encore et toujours à l'envahisseur, la majorité de nos collègues, de mes collègues, des vôtres, je pense, a intégré ce changement et le défend à présent bien volontiers. À tel point d'ailleurs que depuis plus de 10 ans aussi, tout est mis en place pour informer le dit usager, non seulement de ses devoirs, ce qui est une chose, mais aussi de ses droits, dont il a de plus en plus conscience, d'ailleurs, vous nous le direz peut-être vous aussi. Mieux encore, on l'encourage de plus en plus à se joindre à des projets de co-construction de certains services de la bibliothèque, en partant du principe que qui mieux que celui à qui le service est destiné est-il capable de le construire ? Oui, mais jusqu'où aller exactement ? N'y a-t-il pas autant d'avis que d'usagers ? Qui écouter ? Et quelles paroles donner à ceux qui, justement, ne fréquentent pas la bibliothèque ? Enfin, ceci étant posé, la transparence à tout prix, et à elle seule, est-elle la panacée à toutes les tensions observées entre usagers et professionnels, ou entre usagers et l'institution, mais aussi entre usagers et usagers, dans une bibliothèque ? Trop de transparence et d'explications ne complexifient-elles pas des relations qui sont, somme toute, relativement simple et évidente, si tant est qu'on les laisse se mettre en place. Autant de questions, et pour en débattre avec vous, pas seulement entre nous, chaque intervenant va présenter son contexte actuel de manière légère, avant d'engager le débat. Aucun d'entre eux ne fera une présentation PowerPoint de 20 minutes sur son expérience, ce sera vraiment plus un échange qui aura lieu entre eux, nous et vous. Et surtout donc avec la salle, parce que je pense que c'est important lors de rencontres comme celle-ci que vous puissiez avoir la parole. On va commencer par Benoît Tulleux, qui a une lourde tâche quand même, celle de recontextualiser le sujet de manière théorique. Je lui laisse la parole. Merci. Merci Anna. En fait, je ne vais pas vous parler de mon expérience actuelle, puisque mes fonctions actuelles à la BNF, au dépôt légal, sont très loin des problématiques de cet après-midi. C'est, comme l'a rappelé Anna, plutôt en raison de ma vie antérieure, en lecture publique notamment, que je vais m'exprimer. C'est aussi à l'origine de mon intervention l'article qu'a mentionné Anna dans le BBF de 2013, qui était un article court et qui entendait dénoncer de façon un peu polémique et avec une part de mauvaise foi que j'admets volontiers, les excès de la contractualisation dans les rapports à l'usager en bibliothèque. Je vais donc être cet après-midi dans le rôle de l'empêcheur de contractualiser en rond, dans le rôle du méchant. Je vous assure, pour moi, c'est un rôle de composition. Et en tout cas, j'ai le confort de ne pas être actuellement confronté aux difficultés, mais aussi aux joies de l'accueil des publics. Alors, à l'origine de cet article et de ma réflexion sur les excès de la contractualisation, il y avait dans un poste précédent quelque chose qui m'avait marqué. Quand des jeunes professionnels très bien formés, sortant de leur formation, militants de la lecture publique, engagés et très pros, se trouvaient confrontés à des comportements de la part du public qui pouvaient être dérangeants, qui en tout cas venaient de gens qui manifestement n'avaient pas les codes de l'usage habituel de la bibliothèque. La réaction de mes jeunes collègues, c'était de dire faisons-leur signer un contrat, faisons-leur signer le règlement, on va les engager de cette façon-là. Et multiplions donc pour chaque usage de la bibliothèque une charte, un contrat avec le public. D'une part, je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu un âge d'or en bibliothèque. C'est-à-dire, je ne crois pas que ces comportements, mais on en reparlera peut-être, soient forcément nouveaux. Et l'acclimatation, je ne trouve pas d'autre mot, c'est peut-être pas un mot très heureux, l'acclimatation du public à la bibliothèque, c'est vieux comme les bibliothèques, je pense. D'autre part, on comprend bien l'intention des bibliothèques qui procèdent de cette façon et qui font signer à l'usager ses droits et ses devoirs. Mais d'abord, rien n'indique que cet engagement, ça va fonctionner. Et puis, on pourrait se demander ce qui se passerait si l'usager refusait de signer. Est-ce qu'on peut lui refuser le service parce qu'il a refusé de signer ? On voit que cet exercice a des limites. Et puis, tout ça, c'est dans un contexte où on multiplie
les chartes, les textes. Alors, on a la charte des collections, la charte des usagers, la charte de l'usage Internet, la charte de, je ne sais pas encore, tout ça coiffé par le bonnet phrygien de la charte Marianne, qui lui-même a une certification par un organisme extérieur au secrétariat de, à la, au secrétariat, à l'instance interministérielle qui procède de la, qui s'occupe de la modernisation de l'action publique, et tout ça dans un objectif de simplification. Je crois que cet empilement de chartes, qui est un mot d'ancien régime d'ailleurs, remet en cause le rapport tout simple qu'on doit avoir à l'usager. Et je m'inquiétais dans cet article du fait que si le contrat ou la charte devenait le paradigme de toute relation sociale, et surtout dans le service public, je craignais qu'on soit plutôt en face de l'usager, dans un vis-à-vis qui peut être trompeur et peut même l'amener à croire qu'il est l'égal de l'institution, ce qui de toute façon, hélas pour lui, n'est pas le cas. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est une relation de face à face, de vis-à-vis, plutôt qu'une relation de service public dans laquelle on mettrait l'usager au cœur de l'institution, ce qui, je crois, est très important, y compris dans des démarches, dans des dispositifs qu'on va aborder de co-élaboration ou de démocratie participative. Alors, j'ajoute tout de suite, pour ne choquer personne, que je trouve important que les choses soient écrites et qu'il y ait un règlement. Il a des limites, mais en tout cas, il est normal qu'il existe et il est même important qu'il existe. C'est plutôt ce geste de faire signer et d'entrer avec l'usager dans une relation contractuelle qui me dérange. J'ai souligné tout à l'heure les limites de l'exercice, il y en a d'autres. En cas de manquement au règlement, en quoi cette procédure de signature peut-elle être utile? Est-ce qu'on va mettre sous le nez d'un jeune lecteur qui parle trop fort dans son téléphone ou qui mange sur des collections la charte en disant vous avez signé, maintenant appelez un avocat et on va entrer dans un procès? Enfin, je crois que c'est quand même beaucoup pour se rassurer nous-mêmes plus que pour rentrer dans une relation pédagogique avec l'usager, puisque de toute façon, quand un usager transgresse le règlement, on retombe automatiquement, normalement, dans une relation pédagogique, d'explication, on n'a pas besoin pour ça d'afficher partout cette charte ou de la faire signer au public. Et quand je disais qu'on mettait en danger la relation entre l'institution et l'usager, je crois que c'est aussi l'image même de la bibliothèque en tant que service public qui est en jeu ici. Au fond, je soulignais dans l'article quelque chose qui me frappe depuis longtemps, c'est que les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires, d'ailleurs ouvertes au public, sont les derniers lieux, les derniers espaces publics, les derniers services publics dans lesquels on entre sans formalité, avec les jardins publics. Et dans les jardins publics, on ne demande pas aux usagers des jardins publics, avant d'entrer, de signer un texte s'engageant à ne pas accueillir les fleurs, à ne pas marcher sur les pelouses, à ne pas tuer les canards, etc. Donc, au fond, je pense que ce qui est en jeu, c'est aussi de laisser une part d'implicite, de laisser une part de jeu, comme on dit en mécanique, et le jeu, c'est ce qui permet un peu de souplesse. Et c'est dans cet espace un peu indéfini, je crois, que peut s'installer la médiation. Et en quelques mots, je dirais moins de contrats et plus de médiation. Voilà, et maintenant, que la parole circule. Oui, que la parole circule. Alors, peut-être d'abord avec nos intervenantes. Alors, avez-vous des chartes dans vos établissements? Et si oui, portent-ils plus on va sortir peut-être du règlement intérieur qui, somme toute, pour un ERP, reste un document obligatoire. Hein, donc, c'est tout à fait légitime qu'on en ait un. On peut se poser les problèmes de sa frontière, de jusqu'où on va dans le règlement intérieur, ce qui est une autre question. Mais sur les chartes, alors, charte informatique, charte des collections. Alors, la charte des collections, est-ce qu'il faut appuyer? Vous m'entendez? Non, c'est bon. Sinon, ça fonctionne.
Bonjour déjà. Et la charte des collections à l'UPMC, il y en a une, elle est probablement toujours en cours, mais c'est une charte que nous n'affichons absolument plus et que nous n'avons pas du tout l'intention de reprendre et de faire un affichage sur la politique documentaire de la BUPMC. Bon, la BUPMC, c'est un contexte un petit peu complexe, hein, vous l'avez compris à travers la déclinaison de toutes les bibliothèques, c'est un univers extrêmement éclaté de petites bibliothèques à Paris, à Banyuls aussi, tout simplement parce que l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, possède trois stations marines, l'une à Roscoff, l'autre à Villefranche, la troisième à Banyuls. Donc les bibliothèques de ces stations marines font partie des 14 bibliothèques associées qui s'ajoutent aux 17 bibliothèques intégrées, et nous avons intégré l'une de ces bibliothèques. Voilà, d'où le fait qu'on a une bibliothèque et une antenne à Banyuls également. Donc, mais bon, tout ça est à la fois anecdotique et puis important, parce qu'effectivement, quand on a un contexte aussi éclaté en termes de règlements, de politiques documentaires, etc., on a forcément un historique complexe qui se traduit dans des documents qui peu à peu deviennent illisibles. Mais indépendamment de tout ça, c'est vrai que la position de la direction sur la question de la charte de politique documentaire, c'est de se dire que ce type de document soit reste beaucoup trop généraliste en étant une déclaration de bonnes intentions et finalement ne dit pas grand-chose, soit rentre beaucoup trop dans le détail et est très vite périmé ou amendable, et puis il est souhaitable qu'elle soit amendable de toute façon. Par ailleurs, côté bibliothèque scientifique, on a quand même, en gros, on dépense à peu près 600 000 euros pour la documentation imprimée, dont une forte partie pour les périodiques, et 2 millions d'euros pour la documentation électronique. Donc évidemment, de toute façon, la question de la politique documentaire dans le contexte économique et la question de l'offre dans le domaine de la documentation électronique ne se pose pas du tout de la même manière que pour la documentation imprimée. Sur le ce qu'on non alors les chartes pour m'en tenir à ça les chartes non on n'a pas de chartes finalement. Ce qui court, c'est la charte Rhénater, mais on ne fait pas signer de documents en particulier. Alors, peut-être est-ce une spécificité de la lecture publique et des BM? On va demander à Créteil. Ouais, si pas, par la lourde charge de répondre pour les bibliothèques publiques, ça va être compliqué. Bon, bonjour à tous. Alors, bien entendu, moi, je suis venue aussi un peu aujourd'hui pour parler de cette problématique aussi à la lumière de l'expérience de l'ouverture d'un grand établissement dans la région parisienne. Mais pour répondre de façon un peu brutale à la question d'Anna, je pense, alors pour le réseau de Plaine Centrale et la bibliothèque de Créteil, oui, nous avons un règlement. Oui, nous avons une charte des collections, et je pense que l'ensemble des collègues qui sont là devant nous, qui appartiennent aux bibliothèques publiques, ont aussi des règlements et des chartes des collections. Oui, je pense que c'est très important. Alors, premièrement, juste les chartes des collections. Depuis maintenant de nombreuses années, l'ensemble des bibliothèques publiques ont réfléchi à la nécessité impérieuse de justifier et d'expliquer à leur public pourquoi, comment ils dépensaient les sous de l'argent public, hein, et quel genre d'ouvrages ils achetaient, enfin les ouvrages, les documents dans leur ensemble, comment ils organisaient leurs achats sur un temps court, un temps long, domaine par domaine. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a en plus dans la salle, il y a des spécialistes de la politique documentaire qui pourraient répondre à ma place de la meilleure façon. Mais oui, à Plaine Centrale et à Créteil, il y a une charte des collections qui a été négociée ensemble avec tout le réseau, qui a été, c'est une charte réseau sur les trois villes, Limeil, Brévannes, Créteil et Alfortville. Ensuite, les fiches domaines ont été faites bibliothèque par bibliothèque, ville par ville, et il y a une responsable de la politique documentaire, l'harmonisation de la politique documentaire sur le réseau, et puis ensuite, dans chaque ville, il y a une organisation un peu plus particulière et spécifique, mais à Créteil, il y a des commissions d'acquisition avec des bilans, des évaluations à chaque budget, enfin... l'organisation basique. À ce petite question, est-ce que les chartes sont communiquées à l'usager de manière systématique? Donc là, on passe à l'usager. Donc les chartes sont communiquées, mises sur le site. Si on les demande, on peut les avoir. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une organisation de la réponse aux demandes des propositions d'achat ou des réservations, enfin je sais pas, on peut l'appeler comme on veut. Donc les gens, ils peuvent faire des demandes de façon
numérique, enfin en ligne, voilà. Et puis on leur répond. Il y a des gens qui ont le travail et de répondre à pourquoi vous n'achetez pas le Parisien dans toutes les bibliothèques, pourquoi il y a 40 réservations à Monsieur Musso et vous n'en avez pas acheté suffisamment, pourquoi je suis un écrivain du Val-de-Marne et pourquoi on n'a pas acheté mon livre à la bibliothèque. Et donc on répond à tous ces gens-là de façon individuelle, parce que je pense qu'en effet, là c'est du coup que l'incompréhension serait très importante si on n'était pas capable de justifier de répondre. Bon, et ensuite, la charte, elle sert aussi à répondre aux élus aussi et à organiser notre budget chaque année, à justifier nos demandes, etc. Voilà. Oui, il y a alors le règlement maintenant, quand même, rapidement. Alors, bien sûr, je suis un peu d'accord avec Benoît, mais bon, je pense que dans des grands établissements publics, il faut qu'il y ait un règlement. C'est un squelette indispensable, une règle, une corde, comme ça, qui existe. Ça peut être, il peut prendre des formes très diverses, ce règlement. Bon, après, le problème, l'incompréhension, elle vient, enfin, les difficultés, les tensions, elles viennent de l'application du règlement, hein, on est d'accord. Mais ça, c'est bon. Alors, il y a un règlement à Plaine Centrale qui a été revalidé maintenant il y a longtemps quand on a constitué le réseau et qu'on est rentré dans la communauté d'agglomération. Et justement, à l'occasion de l'ouverture des nouvelles bibliothèques, d'abord à Alfortville en 2007 et puis à Créteil en 2014, on s'est aperçu très rapidement que ces règlements étaient obsolètes très très vite, qu'ils évoluaient très rapidement, quand on lisait à haute voix ces règlements, ils étaient complètement dépassés. Donc à l'occasion de chaque ouverture, et notamment là en 2014, à l'occasion de l'ouverture de Créteil, nous avons revisité ces règlements et je pense que le plus important moi aujourd'hui, c'est que le public, enfin les usages, les personnels s'approprient le règlement, c'est-à-dire que ça soit eux qui le fabriquent. Il y a une cofabrication, la co-construction avec le personnel. Alors déjà, entre les personnels et la direction, quoi. Voilà, déjà, c'est une première chose. Parce que bien sûr, si je vous lis quelques extraits du règlement de Créteil, là, enfin de Plaine Centrale, hein, les animaux ne sont pas admis à l'intérieur des locaux. Ah bon? Et alors, comment on fait pour les chiens d'aveugle, par exemple, hein, ou les grands-mères qui ont maintenant des chiens pour anti-stress. Ils ont des tout petits chiens qui se promènent, ils ont un certificat médical qui dit qu'ils ont besoin de leur petit chien sur le ventre pour rentrer dans la bibliothèque. Il est demandé aux parents de ne pas laisser leurs jeunes enfants de moins de 10 ans sans surveillance. Le personnel n'assure pas la garde des enfants et ne peut être tenu responsable des enfants non accompagnés par un adulte. Bon, vous voyez bien, pour celles qui travaillent dans les grandes villes, en banlieue, ça ne tient pas. Enfin, bah, c'est un vrai sujet, parce que moi, voilà. Je suis très, très, donc, très interpellée. Donc, je continue, il y en a plein comme ça. Bon. Ça, hein. Donc, en fait, ce qui s'est passé, très, là, je vais être très courte, le règlement, il est en train d'évoluer chaque année, quasiment, hein, au fur et à mesure. Et au moment de l'occasion de l'ouverture de la médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela, nous avons revisité le règlement. Nous l'avons relu ensemble lors d'un stage d'accueil important qui a duré plusieurs jours avec l'ensemble du personnel, et nous avons réécrit des procédures internes pour que le personnel se positionne et essaie de discuter sur les grands sujets de conversation. Qu'est-ce que je fais si le chien y rentre? Qu'est-ce que je fais si l'enfant est tout seul? Je peux vous assurer qu'il rentre tout seul. Bon, voilà. Donc oui, il y a un règlement, pour finir, être courte. Il a besoin d'être réécrit, réactualisé, approprié par le personnel, et ensuite, bien entendu, communiqué avec l'usager, mais ça, on reviendra sûrement sur cette question-là. On va peut-être essayer de voir s'il y a déjà des formes de questions ou de réactions dans la salle sur donc les documents écrits, que sont le règlement intérieur d'une part et les chartes. Peut-être la question que j'ai envie de vous poser aussi à vous, comme à nous d'ailleurs, c'est est-ce que le règlement intérieur, vous le vivez, vous l'avez vécu comme un élément qui est un élément de compréhension pour l'usager? J'ai pas l'impression, moi, j'ai pas l'impression qu'on le construit comme ça. Voilà. Donc il faut attendre le micro pour l'enregistrement, merci. Yvette Gilbert, médiathèque des 7 Mars à Elancourt, réseau de 50 ans en Yvelines. Le règlement, plus je le vois et plus je vous entends, c'est plutôt, je le vois pour nous protéger.
Typiquement, l'enfant pas tout seul, bah, s'il se casse la figure, c'est pas grave, on a prévenu les parents. C'est à gros traits, mais c'est comme ça. C'est pas du tout fait pour la compréhension de l'usage. Alors effectivement, là, moi, je suis très intéressée par la réflexion que vous avez faite ensemble sur le règlement. Parce qu'effectivement, il faut aussi que le personnel adhère au règlement. Alors je vais être volontiers provocatrice, comme je le suis souvent, vous m'en excuserez. Ceux qui doivent m'en excuser surtout, ce sont les personnes qui viennent de Mulhouse, que je vois dans la salle, hein, donc je parle sous leur contrôle, mais il faut que je vive moi, il faut que je survive à ça. Mais quand même, il me semble que les premières personnes justement à demander à être protégées, à demander à ce que le règlement intérieur soit une forme de scaphandre qui les protège de tout, ce sont justement les équipes. Ce sont les équipes qui sont en contact direct le plus souvent avec le public, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible aussi. Mais ce n'est donc pas forcément de là que viennent en premier lieu ce qui pourrait nous faire réfléchir à un règlement qui soit un règlement d'explication. Là, il y a vraiment la volonté d'être protégé, oui, oui, et on peut le comprendre jusqu'à un certain point. D'autres réactions ou questions dans la salle ? Brigitte Baléo, retraitée depuis quelque temps. Mais est-ce que les personnels, dont j'étais il n'y a pas très longtemps, sont bien conscients qu'on ne peut pas avoir un règlement qui n'est pas fiable, qui ne tient pas la route, de dire que les gamins ne peuvent pas se promener tout seuls à moins de 10 ans, enfin avec, sans les parents, ça ne tient pas. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de se protéger en disant, par exemple, qu'en cas d'accident, si les parents ne sont pas dans le coin, la bibliothèque... Je dirais que pour y avoir travaillé sur ces questions récemment, la seule manière juste et légale de le dire, c'est que l'enfant, quand il est seul, il reste sous la protection de son représentant légal. Et ça, c'est vrai, juridiquement. C'est normal, vrai. C'est la loi. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Après, on ne peut pas se dédouaner, ce que je disais au personnel de l'ABM de Mulhouse aussi, d'une forme de responsabilité morale. Qui est qu'on ne va pas non plus laisser un gamin tout seul dehors et fermer la bibliothèque parce que ses parents ne sont pas là, ce genre de choses. Ça, c'est une responsabilité morale. Mais légalement, je pense qu'on... Oui. Non, mais légalement, je vous citer l'exemple. C'est étonnant que ça réagisse comme ça. Je vous citer l'exemple au niveau provocateur. C'était pour vous montrer que le règlement n'était plus adapté. Hein. Aujourd'hui, mais il est en train d'être changé. C'est pour montrer justement que les règlements, ils doivent être changés, modifiés en fonction de la différence des pratiques des usagers, des choses qui évoluent, des endroits, des petites bibliothèques, des grandes bibliothèques, des bibliothèques universitaires, etc. Tout ça, on ne peut pas y avoir un seul règlement pour une bibliothèque qui existerait comme ça, ex nihilo, ça n'existe pas. Donc l'exemple, c'était ça. Hein. Donc aujourd'hui, bien entendu... ce règlement, il doit être réécrit, il date de 2008, il est en train d'être réécrit, d'être balayé, d'être remodelé. Et ce qu'il faut, c'est le réécrire avec le personnel pour que l'ensemble du personnel puisse expliquer, adhérer et même le transgresser. Hein, on est bien d'accord, parce que de toute façon, aujourd'hui, sur plein d'endroits, on est bien obligé de le transgresser tout le temps, puisqu'on est dans la médiation et l'explication. Oui, Philippe Collomb, Bibliothèque publique d'information. Moi, je voulais revenir un peu en défense et illustration du contrat, quand même, parce que ce que j'entends, là, on est dans un règlement, donc on est vraiment dans une vision où il y a un règlement qui s'applique à des usagers, et même la présentation qui a été faite de la relation contractuelle me paraît un petit peu... là aussi un peu biaisé. Pour moi, un contrat, c'est quand même... il y a deux parties dans un contrat, il y a un engagement mutuel des deux parties, et que c'est l'occasion de donner du sens à cette relation. Et quand on signe un contrat, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, et pourquoi on le fait, et quelles sont les contraintes des uns, quelles sont les contraintes des autres, les obligations des uns, les obligations des autres, les contreparties. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on revienne, parce que là, effectivement, les règlements deviennent incompréhensibles dans les établissements quand on ne comprend pas à quoi sert l'établissement et pourquoi l'établissement se fixe des limites par rapport à ce à quoi il s'engage, et que ces limites, elles se marquent, parce que l'établissement pourrait très bien garder les enfants, mais il se trouve que c'est une bibliothèque et que c'est pas le contrat entre un usager d'une bibliothèque, enfin, la bibliothèque estime que c'est pas son contrat. Donc j'aimerais un peu qu'on revienne sur cette notion de contractualisation que je trouve quand même beaucoup plus intéressante que ce qu'on a fait en première approche.
Merci Philippe. Je disais tout à l'heure, j'avais une part de mauvaise foi dans, dans ma posture, donc je vais la subir jusqu'au bout. Encore que, sur la charte des collections et sur le règlement, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je crois nécessaire qu'il y ait un règlement, qu'il évolue avec ses limites, bon, on l'a dit. Sur la charte des collections et la charte de la politique documentaire des bibliothèques, il est bon qu'elle soit écrite aussi. Et je n'ai pas de réserve, mais on pourrait d'ailleurs s'interroger historiquement sur les raisons pour lesquelles on a fait des chartes des collections. On les a faites et on a beaucoup, ça fait maintenant plus de 20 ans que le groupe Poldoc a travaillé là-dessus et que les bibliothèques se dotent de ce type de documents. Il faut rappeler que c'était dans un contexte défensif, hein, parce que certaines bibliothèques du Sud étaient victimes de la censure de la part de leurs élus Front National, et que la loi, pour le coup, la loi était bien faiblarde en face de ça. Donc quand on fait des chartes ou des contrats, c'est bien souvent quand la loi n'est plus là et quand il faut trouver autre chose. Et on a bien bricolé, mais c'était quand même du bricolage. Par ailleurs, sur le contrat, je ne suis pas tout à fait sûr de partager votre point de vue jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a une nécessité de faire un contrat quand la bibliothèque propose des services particuliers, des services en plus de son service de base, pour les expliquer en quoi elle s'engage. Pour le service de base qui est, je pense, l'accès aux documents et éventuellement même aux prêts, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille que ce soit formalisé sous la forme d'un contrat, parce que là, on met en jeu vraiment quelque chose qui est de l'ordre même de la vision qu'on a du service public. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'usager, c'est un usager citoyen, il est au cœur du service public. On n'est pas dans une relation frontale avec lui de prestataire de service et lui-même d'usager de ce service. Il est bon que ça le soit pour certaines poches de services, je le répète, je n'ai pas cette vision sur la totalité des services des bibliothèques, et même il est bon qu'on sorte de temps en temps de cette vision usagée, universelle pour tous et univoque, sans renoncer au socle qui fait qu'il y a quelque chose d'implicite dans la pédagogie qui se met en œuvre dans les bibliothèques. Et au fond, si je peux juste ajouter quelque chose, mes collègues, les mêmes qui me demandaient, parce que ça les rassurait beaucoup, de faire signer aux jeunes usagers, il s'agissait des jeunes, hein, qui étaient ciblés évidemment, on l'avait compris, une sorte de charte de bonne conduite, les mêmes au fond étaient, voilà, j'ai perdu le fil, donc, mais ça va me revenir. La pédagogie, il était question de pédagogie. Ouais. Merci Anne-Catherine. Mais moi, ce que je voudrais interroger, c'est cet implicite, parce que finalement, c'est un implicite de classe où finalement une classe culturelle sait à quoi sert une bibliothèque. Mmh. Et donc, celle-là, elle n'a pas de problème de compréhension. Mmh. Elle sait très bien à quoi sert une bibliothèque. Elle a le capital culturel qui lui permet. Je pense que si on est dans une interrogation aussi sur l'accès de la lecture à tous et à toutes, et on a vu les chiffres des pratiques culturelles, et on a bien vu que ces politiques d'ouverture qui étaient basées sur l'implicite ont fait que finalement, les classes bénéficiant déjà d'accès à la culture ont continué à accéder encore plus à la culture, et les classes exclues de la culture et de la lecture n'y ont pas eu accès parce qu'elles n'ont toujours pas compris à quoi servent les bibliothèques. Donc moi, je suis un petit peu embêté par cette idée qu'il y a un implicite, parce que c'est un implicite qui est partagé par une classe sociale, mais pas par toutes les classes sociales. Je partage complètement le diagnostic, mais pas du tout la solution. C'est-à-dire, je pense qu'on peut être plus ambitieux que ça, et que c'est pas parce que cet implicite, il est en effet une question de codes sociaux qu'on a ou pas selon son origine sociale et qu'il faut acquérir. Je crois que la bibliothèque, et on l'a montré dans certains cas et dans certaines études, il y a aussi un capital d'appropriation qui se construit pas toujours dans une relation purement pédagogique du bibliothécaire vers l'usager. C'est plus compliqué que ça. Le public lui-même, déjà existant, participe à cette acclimatation. Je crois qu'on discutait tout à l'heure avec Anna d'une expérience où, quand on met des espaces qui risquent d'être bruyants à côté d'espaces qui ne le sont pas, finalement, il y a une sorte d'auto-formation du public. Je crois qu'il faut juste qu'on accepte que la bibliothèque est un objet pédagogique, un service, et que nous avons une part à prendre dans ces missions pédagogiques. Voilà, je vais retrouver ce que disaient les professionnels. Ils me disaient, on n'est pas des flics. Alors je leur disais, non, vous allez expliquer. D'abord, ce n'est pas honteux d'être flic, mais vous allez expliquer. Donc c'est un travail. Ah, mais on n'est pas des profs. Bon, très bien, vous n'êtes pas des flics, vous n'êtes pas des profs, mais enfin quand même, quand il y a manifestement quelque chose qui ne va pas, vous devez intervenir.
Ah oui, mais on n'est pas des gardiens. Bon, alors vous êtes quoi ? Si on peut définir la profession comme ça par défaut, mais à un moment donné, il faut quand même la définir positivement. Moi, je considère qu'il faut quand même qu'on assume notre rôle pédagogique en lecture publique, mais aussi dans la plupart des bibliothèques. On avait une autre question encore dans la salle ? Bah en fait, je voulais juste vous demander, bon, je suis agent dans une médiathèque assez petite, et je voulais savoir s'il y avait réellement une demande de la part des usagers concernant justement ces règlements, ces chartes, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait souvent la demande en fait, au quotidien. Qui veut répondre ? Je pense, bon, pour le règlement, je le rappelle, c'est quand même autre chose, hein, c'est une obligation légale qui fait que le document en lui-même, il doit exister. Après, qu'est-ce qu'on y met, jusqu'où on va dans les droits et les devoirs, beaucoup de devoirs souvent, puisqu'on essaye de se protéger. Non, mais ça rejoint un petit peu la réflexion d'une autre collègue tout à l'heure, c'est que je pense que ça vise principalement à protéger le personnel. Et c'est vrai que là, on est aussi pleinement dans le sujet bibliothèques en tension. Et effectivement, hein, tout à l'heure, on parlait de contractualisation, mais finalement, ce dont on parle concrètement, c'est pas tellement de la contractualisation, c'est signer des conditions d'utilisation, oui, tout à fait. Plus tout que tout de la contractualisation, fait, ouais. En fait. Donc c'est tout à fait juste et c'est pas du tout la même chose, du coup, c'est pas du tout la même signification et la même implication. Oui, pour répondre à la collègue de la petite bibliothèque, moi je crois que c'est les petites et les grandes, c'est pareil. Oui, on a besoin, en effet, qu'il y ait au moins les conditions de l'organisation et des utilisations pour les usagers. Quand on rentre dans un endroit, c'est le minimum, quoi. Hein, bon. Ouais. Après, je suis pour réagir aussi sur ce que disait Benoît, et pour répondre aux collègues, moi je pense que quand même on en a suffisamment parlé, on pense que la bibliothèque c'est bien lieu de l'apprentissage de la citoyenneté, hein, où j'ai loupé des cours. Hein, bon. Et donc là, il y a bien de la pédagogie, il y a bien de l'accompagnement, il y a bien de la médiation. Le règlement, il est là pour, comme dans un pays, il y a des lois, des règles, et puis à côté on vit, puis on explique, et puis il y a des profs, il y a des bibliothécaires, il y a des parents qui sont dans l'éducation, la pédagogie, l'accompagnement et la médiation. Et donc je pense que la bibliothèque, elle a son règlement, sa charte. Enfin, c'est pareil, je suis comme Anna, j'ai des collègues dans la salle, donc elles ont, je parle sous leur autorité aussi. Mais je pense que c'est indispensable dans des petits, parce que sur Plaine Centrale, il y a des tout petits établissements, hein, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, au même endroit, alors qu'il y a les 4400 ou les 2700, on a besoin d'un règlement minimum, puisque c'est des citoyens qui fréquentent un espace public ouvert à tous. Donc forcément, il y a une loi. Donc après, la loi, il faut l'expliquer. Il faut être le bon médiateur, il faut accepter. Et donc, je pense qu'il change, c'est ça dans le métier de bibliothécaire. C'est comme disait aujourd'hui, nous aussi, à la bibliothèque, on nous dit, on n'est pas des flics, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Non, vous êtes des bibliothécaires, vous êtes des médiateurs, vous devez expliquer la loi, le règlement, pour que ce service public soit un service public partagé, où la personne âgée, le jeune de 14 ans, l'insupportable adolescent, le bébé de 2 ans, la mère de famille, l'handicapé, etc., etc., vivent ensemble dans cet endroit et ils trouvent ce qu'il a besoin, les ressources multiples qu'il y a dans cet espace. Et donc c'est là que la charte, le règlement, quand même, il est indispensable. Et que pour les personnels, je ne vois pas comment ils pourraient vivre s'ils n'avaient pas ce squelette derrière eux. Après, il faut qu'ils discutent, qu'est-ce qu'on répond ? Ah oui, le chien, ah oui, on a... Puis les enfants, ben oui, les enfants, ils habitent sur les tours, là, en face, et puis ils arrivent tout seuls. Et puis, ils remplissent leurs petits cartons, ils prennent leurs petits cartons, ils vont les faire remplir, des fois, par les parents, c'est pas sûr, ils reviennent, et puis ils sont dans la bibliothèque, sans les parents. Ben oui, ils sont là, sans les parents, 6 ans, ça arrive souvent. Bon, et après, on se met d'accord tous ensemble, ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas. Bon, le seuil de tolérance est très différent les uns des autres. Donc, ce qui est très important, c'est la cohérence de l'équipe face à ce règlement. Qu'on ne raconte pas... je vous donnais un exemple. À l'abbaye, c'est tout automatisé. Donc, il y a des automates partout. Donc, on a une carte. Pour faire l'emprunt, il faut une carte. Si on n'a pas sa carte, pas d'emprunt. Ben, je peux vous dire qu'au début, quand ils arrivaient... C'était difficile de répondre, non madame, vous ne pouvez pas emprunter parce que vous n'avez pas votre carte. Il y avait les collègues qui craquaient. Oh ben non, on ne va pas dire une chose aussi méchante que non, vous ne pouvez pas emprunter.
Bon, et puis, progressivement, quand toute l'équipe a le même discours, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, maintenant, tout le monde vient avec sa carte. Mais il y a eu des tensions, des incompréhensions, des difficultés, des engueulades, enfin, etc. Mais quand l'équipe tient bien, sur un certain nombre... Bon, là, je vous donne l'exemple de la carte, c'est facile, mais il y en a plein d'autres, des exemples comme ça. Donc, la cohérence des gens en face... C'est le plus important dans le respect d'un règlement. Et les tensions, elles viennent parce que l'un répond jaune, l'autre répond rouge, et puis vert, et puis voilà. Au-delà de ça, au-delà de la cohérence qui est importante, je crois que c'est même l'essentiel pour être compréhensible, d'être cohérent. Bah oui, là, parce que si on revient au sujet, la bibliothèque incompréhensible, il n'y a rien de plus incompréhensible pour l'usager, à mon avis, qu'une boutique, alors qu'elle soit bibliothèque ou autre, qui fonctionne avec des règles différentes en fonction des personnes qu'on a devant soi. Donc, oui. Je pense que la vérité, c'est ça. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que je pense qu'on est de toute façon tous d'accord sur la nécessité du règlement. Après, la question, c'est comment le rendre lisible. Voilà, et la question, ça n'est pas effectivement de se réfugier derrière le fait soit de faire signer ce règlement, non. Soit au contraire de l'afficher absolument partout, ou d'afficher des extraits du règlement, ou d'afficher des illustrations du règlement, plus ou moins heureuses, sur tous les piliers et les murs libres de la bibliothèque. Ça, c'est vraiment, effectivement, ça, c'est une réaction de protection du personnel qui est persuadé que je pourrais me référer à ce règlement qui est affiché de cette manière-là, ou dont de toute façon je sais que pour être inscrit l'usager l'a signé, etc., etc. Mais ça ne change rien, ça ne règle absolument rien, et ça ne règle en rien le travail de pédagogie qui est indispensable et auquel on ne peut pas se dérober. Et si je peux me permettre juste de compléter, ce qui est intéressant d'ailleurs dans les exemples que donnait Elisabeth, c'est que au fond, quand la charte ou le règlement, quand le texte devient le support d'un échange avec le public, voilà, et qu'on le rend vivant, moi, même par rapport à ce que j'ai dit de façon un peu polémique pour ouvrir la table ronde, ça me convient très bien. Je trouve que ce qui est important, c'est de rendre explicite ce qui est implicite, et ça répond en partie aussi à Philippe tout à l'heure. C'est pour moi vraiment le rôle... Notre rôle, c'est de rendre explicite dans la pédagogie ce qui est implicite, et de cette façon-là, de remplir notre rôle et d'aider les publics les plus éloignés des bibliothèques à se les approprier. J'ai retrouvé ça dans vos interventions. Alors, s'il n'y a plus de questions dans la salle, on va peut-être passer à un autre... Ah non, il y en a. Oui. Il faudra qu'on passe aussi un petit peu à un autre sujet. Je regarde ma montre, le temps... Oui, je voulais juste réagir sur deux points. Le premier, c'est que vous parliez de charte et de label au départ. Et c'est vrai que nous, dans un contexte de réduction budgétaire et de justification constante de nos services, on se demandait s'il ne fallait pas qu'on passe par un label pour dialoguer avec nos élus. Qui justement essayent de réduire nos services. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les exemples d'incohérences dans l'équipe se multiplient, notamment au niveau des amendes. Une bibliothèque les fait payer, l'autre non. Donc l'usager a pris le pli d'aller dans la bibliothèque qui ne fait pas payer les amendes. Donc moi, ma parade, c'est de voir les transactions et puis ensuite de présenter le service du portail qui permet de prolonger les prêts. Ça me permet moi de faire de la pédagogie et de dire ben voilà, il y a ce service là qui existe, si vous êtes en retard, n'attendez pas le quatrième rappel, prolongez ou appelez nous ou faites quelque chose, envoyez nous un mail. Voilà, donc la pédagogie passe par là. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement le règlement n'est jamais lu. Ça, tout le monde le sait. Et on est en train de refaire notre signalétique et on se demandait quoi mettre en place auprès de nos usagers pour signaler tout ça. Et quoi mettre en place aussi pour les usagers potentiels qui ne fréquentent pas la médiathèque et qui ne savent pas qu'ils peuvent y rentrer sans être adhérents. Voilà, donc pas mal d'interrogations et de réactions. Je ne dirais pas, touchez pas. Hein. La grosse incompréhension, moi je pense qu'elle est dans notre non public. Hein. C'est-à-dire, en fait, en gros, ce qui reste comme problème, mais c'est notre travail depuis si longtemps, c'est-à-dire que c'est les gens qui ne sont pas dans l'habitude de la bibliothèque, dans ceux qui ne viennent jamais. Elle est là, l'incompréhension. Quand on a ouvert l'abbaye, on a vu arriver, bien sûr, un beau bâtiment, comme ça, en plein milieu d'un quartier populaire, des gens qui n'étaient jamais rentrer dans une bibliothèque. Bon, ça, c'est
c'était nouveau. Bon, tous les grands établissements qui ont ouvert ces 10 dernières années, ou même avant, ont rencontré cette problématique. On voit bien, je me rappelle les collègues de Toulouse qui racontaient dans un congrès ce genre d'événements. Bon, nous, on les a vus, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent rien. Mais oui, les livres, vous les achetez, vous les achetez pas. Ah oui, il y a d'autres choses que des livres. Ah bon, vous faites des animations et des disques. Ah bon, vous avez de la musique. Mais qui ne comprenait rien, qui ne savait pas ce que c'était qu'un règlement, comment on empruntait, etc. Rien. Donc l'incompréhension, c'est là qu'il faut se poser la question, je crois, en direction du public qui ne connaît pas. Pour ceux qui viennent régulièrement, la médiation, normalement, et l'explication devrait suffire. Mais bon, et puis, donc c'est là qu'on se pose la question, et c'est pas leur faire lire le règlement qui enlèvera l'attention ou l'incompréhension. Donc là, de toute façon, il n'y a qu'une seule solution, c'est la médiation, l'animation, etc. Hein, c'est faire les visites, les prendre les uns en groupe, par association, par groupe d'intérêt, etc., les accompagner, trouver les partenaires. Bon, ça, je n'ai pas besoin de raconter tout ça, vous savez tout par cœur. Mais je pense que l'incompréhension la plus importante, elle est là. Et puis après, c'est la coexistence des publics pour ceux qui viennent à la bibliothèque. L'incompréhension, c'est pourquoi vous tolérez telle personne ? Pourquoi vous tolérez que les enfants courent ? Pourquoi vous tolérez que les adultes... parle, pourquoi vous tolérez que... Enfin, etc. Voilà. Donc, la principale incompréhension, je pense, aujourd'hui, dans les bibliothèques publiques, elle est là, c'est dans la coexistence des publics, hein, et puis dans tous ces gens qui ne savent pas, qui ne viennent pas là, les 60% de la population qui ne savent pas ce que c'est qu'une bibliothèque. Au début, ils croyaient que c'était un centre commercial, après une piscine, et ils sont venus voir quand même, ils sont rentrés pour voir si c'était... Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ce bâtiment qu'on leur avait construit sous leur nez. Ça va faire le lien peut-être avec un autre sujet sur lequel on doit se poser des questions sur notre propre façon d'être incompréhensible ou pas d'ailleurs. C'est, donc là, il y a un aspect effectivement, le geste architectural qu'on pose dans une bibliothèque, éventuellement au milieu d'un quartier, etc. Et il y a aussi la classification qu'on emploie dans nos bibliothèques, nos méthodes, nos espaces, comment on les organise. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet d'incompréhension potentielle avec l'usager, parce que alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et d'essais plus ou moins réussis dans les bibliothèques pour organiser les collections différemment. Mais c'est vrai qu'on était parti au départ, hein, structurellement et historiquement, sur une façon d'organiser les bibliothèques comme on organisait le monde, avec notre propre système de classification, et qui était absolument, quand même, il faut le dire, hermétique au plus grand nombre. Donc là, est-ce qu'on est en train d'évoluer dans les espaces, dans notre façon de présenter les collections ? Parce que c'est bien beau, on a dit qu'il faut des chartes, ou en tout cas, on estime que c'est nécessaire d'avoir des chartes pour l'acquisition et autres, mais après, une fois que ces collections, ces livres sont là, ou ces autres documents, on les organise comment pour les rendre accessibles au plus grand nombre ? Des réponses autour de ma table, des réponses dans la salle, n'hésitez pas, hein. De toute façon, comme dit, on souhaite que ce soit le plus interactif possible, donc vous pouvez réagir, y compris à chaud, avant qu'on ne réponde. Benoît ? Bon, je vais remettre Allez, une Benoît. Petite louche de, oui. de provoc. Ouais, mais, super. Mais je vous assure que ça me coûte, c'est pas ma nature. Non, je m'interroge, moi, en fait, sur les réaménagements successifs. En fait... J'entendais une dame se plaindre il n'y a pas longtemps au supermarché à côté de chez moi, et puis je n'ai pas honte d'aller au supermarché, et ça ne me dérange pas qu'on compare parfois les médiathèques au supermarché. Bon, évidemment, je vois bien ce qu'il y a de provocateur dans ce type de phrase, mais cette dame se plaignait que les rayons étaient tout le temps changés et qu'elle ne retrouvait jamais rien. Et ça me faisait penser à un texte qui est ancien maintenant, je crois que c'est du sociologue Barbé Bouvet, qui expliquait que les jeunes lecteurs éloignés des bibliothèques, qui n'avaient pas forcément le capital dont on parlait tout à l'heure, le capital familial, culturel, pour s'y retrouver en bibliothèque, s'y retrouvaient à force d'y retourner. Et plus on y retourne, et plus on assimile un capital d'habitude qui peut compenser en partie le capital culturel qu'on n'a pas eu au départ. Et je me disais juste que effectivement, c'est un
peu comme ça que pour ma part, même si je n'étais pas dénué de capital culturel, je me suis approprié la bibliothèque municipale dans la ville de Proche-Montlieu où j'habitais quand j'étais ado. Et je crois qu'en effet, ça m'aurait dérangé qu'on dérange tout le temps les collections. Mais je suis... voilà, c'est une réflexion un peu aura des pâquerettes, peut-être pour vous faire réagir, ce que j'espère. Allez-y. Manifestement, non. Si. Jean-Rémy François, élève conservateur à l'INET, donc territorial. À mon avis, ce n'est pas tant sur la lisibilité des collections que sur la lisibilité des services offerts à la population qu'il faut se poser la question, puisqu'on sait bien que les collections, c'est juste un moyen où, voilà, pour arriver à une fin dont on pourra discuter. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça pour essayer de déplacer un peu la discussion. Oui, et si je peux me permettre, il me vient une anecdote, et si ça peut rebondir. Lors de l'ouverture d'une médiathèque dans un quartier populaire à Boulogne-sur-Mer, on avait affiché retour des documents, prêt des documents à l'entrée. Et une des premières questions du public, c'est quoi les documents? Ils sont où les documents? Et évidemment, tout était en accès libre, etc. Donc voilà, là, c'est vraiment assez... Enfin, je pense que c'est juste pour illustrer que si on ne met pas l'usager complètement au cœur, pourtant on avait tâché de le faire, mais effectivement, sur le mot de document, qui est c'est vraiment un mot de bibliothécaire. De toute façon, il y a pas mal de jargon bibliothécaire qu'on resserre comme ça, sans arrêt, à nos usagers. Allez sur l'opaque, vous allez voir qu'est-ce qu'un opaque. Mais pour revenir à la classification, de toute façon, effectivement, c'est un faux problème. Ils ont besoin de comprendre, quand ils font des recherches sur ces fameux opaques, ils voient, bon, bah, c'est classique, c'est l'adresse est celle-là, où est-ce que je la trouve? Il faudrait juste des panneaux récapitulatifs de, voilà, telle cote veut dire telle connaissance. Après, les services proposés aux usagers, c'est à la présenter au moment de l'inscription. C'est un rapport humain, finalement. C'est là où le numérique va pas tout remplacer. C'est qu'il faut une visite. Justement, on parlait du numérique tout à l'heure. En dehors de la salle, bien sûr. Le numérique, c'est une préparation à la visite physique de l'usager et du futur usager. Et ensuite, l'important, c'est de l'accompagner dans cette prise en main de tous ces services. Oui. Moi, sur la présentation des collections, l'articulation des espaces, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a quand même des choses différentes entre les petites bibliothèques et les grandes bibliothèques. Dans un grand espace, on est bien obligé de ranger un peu. Et en effet, après, c'est que la médiation qui marche, l'accompagnement, les jeux pour les enfants, trouver les collections, faire des présentations à différents endroits de la bibliothèque, enfin, tout ce qui tourne autour de l'animation et de la médiation. Dans les petites bibliothèques, c'est souvent plus facile. Enfin, l'exemple, par exemple, sur Plaine Centrale, on a dégraissé de façon très, très importante les espaces des annexes, enfin, des bibliothèques de quartier. En diminuant de façon très drastique les documents, c'est aperçu qu'ils sortaient plus. Et on a institué notamment un certain système de fonds tournants, etc. Et on a simplifié les classifications. Et donc, aujourd'hui, les bibliothèques de quartier marchent super bien, alors qu'elles ont, je ne me rappelle pas par cœur... 2000 documents, 3000 documents, enfin pas beaucoup quoi. Dans la bibliothèque de l'abbaye, on a aussi, au moment de l'ouverture, diminué de façon très importante, il y en a encore trop, mais très important les documents pour simplifier les espaces. Mais c'est pareil, je suis assez d'accord avec Benoît, je pense qu'on passe sa vie à changer de place les choses. Bon, des fois, il faut trouver la bonne place, puis après, c'est la médiation qui marche quoi. Et au niveau des services, c'est les services qui vont faire connaître les collections et les ressources. C'est la seule solution. Au niveau de la signalétique, trop de signalétique, c'est comme trop de documents, ça nuit, quoi. Il faut simplifier les choses au maximum. Et après, c'est les gens qui s'approprient les espaces et les ressources et les documents. Enfin, c'est mon avis. Donc, Aline Roquia, moi je travaille à la Bibliothèque universitaire de Toulouse, un Capitole, et nous avons pour habitude de beaucoup travailler avec les moniteurs étudiants, c'est-à-dire que l'usager, il est avec nous. Et les meilleurs médiateurs, quelquefois, ce n'est pas tellement le professionnel, c'est l'étudiant lui-même, donc l'usager, qui a déjà connu le parcours universitaire et toute sa complexité, nombre d'entre vous savent ce dont je parle, qui est le meilleur vecteur, et de plus en plus. On fait des focus groupes même pour reconvertir des lieux.
On travaille avec, on se dit tel lieu, on pense qu'on va l'orienter vers les étudiants de niveau master. On fait un focus group, on leur demande ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont d'accord? On reconvertit les lieux. En fait, de plus en plus, on travaille actuellement sur un projet de learning center et on est vraiment orienté vers ce travail, je dirais, de collaboration. Parce que dans notre métier, il me semble que c'est l'usager qui doit quelque part bâtir la bibliothèque et ses services. Et nous, simplement aider à les comprendre. Et encore, des fois, il vaut mieux que ce soit l'étudiant qui explique. Merci pour la transition, en tous les cas. Donc, ça fait la transition avec la collaboration avec, avec l'usager, la co-construction. Je vais laisser la parole à... Oui, non, mais effectivement, je rebondis, étant en bibliothèque universitaire également. Je crois que la question qui se pose au-delà de la lisibilité des collections, c'est la lisibilité des espaces et la différenciation des espaces dans les bibliothèques. Alors, c'est vrai que du côté du projet de la BUPMC, on a un projet de grande bibliothèque de premier cycle qui doit ouvrir à la fin de l'année, avec sur le réseau des bibliothèques plus d'une centaine de salles de travail en groupe et de salles de travail individuelles, qui pour le coup, là, on associe évidemment les espaces à un service, puisqu'il est prévu d'avoir un système de réservation de ces salles de travail en groupe et de ces salles de travail individuelles à distance, avec une spécificité des différentes salles, les unes équipées d'appareils informatiques, les autres non, enfin voilà, des aménagements très, très différenciés. Et effectivement, à la BUPMC, on a tenté de travailler un petit peu par le biais de focus group. On a un moment pensé à le faire tout simplement par le biais de moniteurs étudiants, hein, puisqu'effectivement, on a pareil un contingent d'une petite cinquantaine de moniteurs étudiants qui travaillent et qui assure notamment les extensions d'horaires d'ouverture, enfin les soirées jusqu'à 23h, 21h, 22h selon les bibliothèques. Et c'est un point qu'on va sans doute aborder, hein, qu'on a un petit peu échangé de vive voix avant la rencontre. C'est une question assez compliquée finalement. Il est assez aisé d'en parler parce que ça semble tomber sous le sens, mais c'est pas forcément simple à mettre en place. Et il nous a semblé également que c'est sans doute la question de l'aménagement des espaces qui était le bon moyen de peut-être pouvoir commencer à travailler avec un groupe d'usagers, en l'occurrence en BU avec un groupe d'étudiants ou d'enseignants-chercheurs. Et c'est vrai que dans cette nouvelle bibliothèque, nous aurons un espace d'un peu plus de 130 mètres carrés, qui est un espace qui pour l'instant est très indéfini, qu'on aménage en concertation, enfin dans le cadre d'un projet de mécénat avec une entreprise d'ameublement, de bureaux, etc. Et qui sera bordé de salles de travail en groupe qui sont toutes absolument différenciées, les unes avec les unes équipées d'un mobilier type Mediascape, enfin voilà, où il y a une connexion très simplifiée qui se fait à un ordinateur, d'autres avec des poufs, avec des choses beaucoup plus conviviales, d'autres avec des bureaux très individualisés, etc. Et l'idée, c'est vraiment de proposer finalement de faire une proposition de départ et très très rapidement de pouvoir travailler, d'arriver à identifier, pas forcément un focus group, mais des usagers, et de pouvoir travailler en particulier sur cet espace-là, dont on sait déjà, avant l'ouverture de la bibliothèque, avant même qu'il soit mis en place, qu'il aura sans doute vocation à évoluer, enfin à moins qu'effectivement il ne se révèle absolument, correspondant absolument aux attentes, et ce qui est fort peu probable, mais... Et ça nous a semblé effectivement être peut-être la façon d'essayer de construire ce travail-là qui n'est pas, c'est pas évident. Terminé. Donc moi je dirais peut-être que, alors là pour le coup les universités ont peut-être la chance effectivement d'avoir leur public cible à disposition pour collaborer et co-construire, on va le dire comme ça. Pour les BM et la lecture publique, c'est peut-être un peu plus compliqué, ouais. Parce que c'est déjà plus compliqué de définir un public cible, il y en a plusieurs. Et puis après, de travailler en collaboration avec les publics, ça veut dire quoi? Avec quel public? On le cherche comment? Des corps constitués? Lesquels? Pourquoi? Est-ce que vous avez des exemples de collaboration dans vos propres bibliothèques ou co-constructions? Voilà, bah, super. Alors, oui, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, donc Delphine Desfieux, je travaille à la médiathèque de Pont-à-Mousson. Nous, on fonctionne par système de club, donc club ciné, club lecture assez classique, club d'écriture, théâtre, etc. Et le club BD et le club lecture prennent part, dans une certaine mesure, aux acquisitions, aux choix d'acquisition. Voilà, et puis éventuellement à la programmation du ciné-club.
Maintenant, l'écueil qu'on rencontre en ce moment, c'est que ces clubs sont constitués depuis un moment et on ne voit plus de nouveaux visages, on n'arrive plus à dynamiser, à ouvrir. Bon, ça, c'est peut-être dû à une voilà, il faudrait peut-être remettre un coup au niveau de la communication là-dessus, mais voilà, on n'arrive plus à dynamiser maintenant. Mais en tout cas, ça a marché plutôt bien un temps. Merci pour ce témoignage. En fait, justement, la question que je voulais vous poser, donc n'éloignez pas trop le micro, mais vous y avez partiellement répondu, c'est la question du renouvellement de cette démarche, parce qu'elle est passionnante, elle est intéressante, même si on sait qu'on peut toujours avoir un peu de réticence à organiser des comités d'usagers, parce que on craint justement, et c'est ma question, que le non-public n'y soit pas représenté et que le public déjà acquis y soit surreprésenté. Alors, ce qui est bien, c'est que le public qui est déjà engagé dans ces actions fait notre promotion, donc on a une visibilité autre. Maintenant, effectivement, il faut qu'on refasse connaître ce service-là, et c'est pas la priorité pour l'instant de la structure, mais voilà, c'est, ouais, le renouvellement est pas évident, se fait pas de soi. Merci, mais je vais laisser la parole à Elisabeth. Je me demandais s'il y avait dans la salle des exemples de collègues de bibliothèques dans lesquelles il y aurait des structures permanentes de dialogue avec les usagers. Alors, je vais peut-être répondre, parce qu'on essaie de mettre quelque chose en place à Mulhouse pour le coup, avec le fameux public qui rend le bibliothécaire schizophrène. Je veux parler des adolescents, puisqu'on a de cesse de se poser la question de pourquoi il ne vient pas chez nous, mais pourquoi ? Et puis quand il est là, on n'a qu'une hâte, c'est qu'il sorte de la salle, n'est-ce pas ? Donc en fait, on a décidé de faire appel au conseil des ados. Donc un groupe d'ados constitués, mais pas forcément, qui ne fréquentent pas forcément la bibliothèque. Je pense que là, c'est justement une manière de toucher le non-public. Et notamment, alors là aussi, par le biais de l'aménagement d'espace, puisqu'on veut leur destiner un ou deux espaces particuliers, et on s'est dit que c'était quand même pas à nous de le faire, ou de s'imaginer le mobilier, qu'il y avait vraiment un intérêt là à intégrer. Voilà, donc c'est une piste de réflexion. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la salle, je crois, qui veut intervenir. Viviane Spotorno, à la médiathèque de Boissy. Je pense que dans toutes les médiathèques, on fait beaucoup de choses comme ça. Alors, je donnerai quelques exemples, parce que comme je voyais que personne réagissait, c'est pour ça que je dis, bah si. On fait participer le public quand même, et de façon... On essaie... Ce qui est le plus difficile, c'est... Le public, il n'est pas très pour participer. Lui, il vient pour faire ce qu'il a à faire à la bibliothèque, et il n'a pas spécifiquement envie... De contribuer à la médiathèque. C'est ce qui est le plus difficile, et pas que dans les médiathèques. Donc il y a plusieurs exemples. On a créé un site participatif où, en fait, par le biais d'institutions ou de structures, tous les gens qui veulent participer, c'est autour de la création, de la créativité et de la culture, par ce biais-là, bon, comme on a des espaces multimédia, on forme aussi les gens à pouvoir... C'est un site qui s'appelle Arbux, d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant, parce que ça tourne, c'est pas toujours les mêmes associations, c'est par rapport à des projets, etc., mais ça nous permet d'avoir vraiment des retours des usagers. Et puis après, toutes sortes de choses qui se font partout, c'est-à-dire qu'on travaille avec le club de lecture du collège, des collégiens qui viennent pas forcément à la médiathèque, mais qui vont choisir, qui vont lire des romans qu'on a sélectionnés dans les offices, et qui vont choisir ceux qu'on va acheter dans la médiathèque. On fait avec le personnel de la petite enfance aussi pour les albums. Enfin, tout ça, ça participe de la partie, enfin, de la contribution en tout cas des différents usagers. Je pense que ça fait quand même des années qu'on met ça en place. Après, on a aussi, nous, une structure, enfin, les bibliothécaires ont... Là, ça m'étonnait un petit peu la première heure, là, où en fait, on parlait beaucoup de se protéger, etc. Et j'attendais un peu le sujet, hein, c'est-à-dire comment on fait pour être plus compréhensible avec le public. Et c'est vrai que nous, souvent, on s'est rendu compte, on a fait plein d'expérimentations, on a eu raison de les faire, on a changé les espaces pour voir si les usagers s'y trouvaient mieux, si ils se trouvaient... Parce que c'est pas pour n'importe... Enfin,
dans les grands magasins, ils réfléchissent aussi. C'est-à-dire que ça perturbe beaucoup les clients de se retrouver devant des produits autres. Ben, dans les bibliothèques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi l'habitude d'aller dans un endroit parce qu'on sait que là, on va trouver voilà, un autre espace à nous. C'est bien aussi de perturber un peu les gens. Voilà, tout ça, toutes ces expérimentations, on les a faites. On a eu raison de les faire. On revient un peu à des choses, c'est-à-dire aussi tous les classements par thème, enfin tout ce qu'on a pu expérimenter, on se dit qu'après tout, c'est pas mal aussi, dit ouais, hein, pour certains trucs en tout cas, des pôles thématiques pour certains thèmes, parce que sur un public donné, bah, c'est important, par exemple les emplois, formation, etc., les pôles, voilà, donc je pense que on a fait beaucoup de choses. Il faut continuer surtout. Il faut continuer. Il faut continuer à se poser la question quand on a un stagiaire qui arrive, qui ne comprend rien à ce qu'on dit. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est complètement incompréhensible à l'usager. C'est-à-dire qu'on emploie des termes comme document, comme code, comme voilà, parce que pour nous, c'est le mot juste. Et qu'on se rend compte en face, on a un gamin de troisième et c'est, il faut se remettre tout le temps en question et se dire, bon, voilà, quel mot employer pour être audible en face, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on est encore, et que c'est bien aussi, hein, qu'on s'y complaît. Mais voilà, et je pense que c'est ça, c'est se remettre en question, quoi. Hein. Je peux, ouais, après, s'il n'y a pas d'intervention. Oui, c'est vraiment ça, ce que dit Viviane est tout à fait juste. Je me suis forcée ces 10 dernières années... À utiliser le mot document parce que je pensais que c'était aujourd'hui être à la pointe de la bibliothèque économique. Pour ne pas être trop vieille France ou je ne sais quoi. Livres, et en fait, je m'aperçois que c'est complètement idiot. Il faut mieux dire livre, disque, vidéo. Parce que document, personne ne comprend. Et donc, ça, c'est sûr. Hein, je pense que des fois, il faut rester à une organisation dans le bon sens, quoi, sans chercher à être trop. Mais il y a une autre chose, moi, je voudrais dire, qui est très importante. C'est que je crois que dans la lutte contre l'incompréhension des usagers, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Que ce n'est pas la bibliothèque toute seule qui va trouver les solutions. Que nous sommes un service public qui appartient avec d'autres services publics, enfin pour les bibliothèques publiques, à une collectivité. Et qu'on a des petits copains qui travaillent au Pôle emploi, enfin... au service jeunesse, à l'insertion, etc., au CCAS, enfin, à tous ces services, et qu'ils ont, pour ceux qui ont du public aussi, les mêmes problèmes que nous et avec qui on pourrait travailler. Donc aujourd'hui, par exemple, sur Plaine Centrale et notamment à Créteil, on travaille beaucoup avec les autres services. Le service jeunesse, par exemple, tous les centres aérés, ils viennent tous les ans faire le bilan, le résultat de toutes leurs fêtes à la bibliothèque. Donc c'est le bazar, hein. On reçoit le mercredi des traînées de mouflettes partout, ils envahissent la bibliothèque, ils font leur spectacle dans toutes les salles, mais bon, ils sont au moins, hein, ils sont venus, et puis les parents, ils viennent voir le spectacle des enfants. On travaille avec le conseil municipal des jeunes aussi, qui est le service de la démocratie locale, avec lequel on monte des projets, avec le CLAP, les comités, les centres aérés adolescents, etc., avec lesquels on fait les fêtes de fin d'année aussi à la bibliothèque, etc. Donc, je pense que ce qu'il faut, d'ailleurs, il y avait un très bel article, je crois, de Dominique Lahari dans un des derniers BBF aussi, qui parlait de ça. On n'est pas tout seul. Il ne faut pas qu'on reste en disant la bibliothèque, c'est spécifique. Les autres aussi, à la culture, dans tous les problèmes sociaux, etc., ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils sont aussi des fonctionnaires territoriaux pour beaucoup d'entre nous. Et donc, en fait, c'est avec eux aussi qu'il faut discuter, échanger et faire venir nos 60% là qui ne viennent pas et qui ne comprennent rien à la bibliothèque. Parce que autrement, on n'y arrivera pas. Enfin, moi, je crois. Benoît. Oui, j'entends tout ce que dit Elisabeth et ce que vient de dire Viviane sur l'expérimentation, la nécessité de garder une forme d'agilité, en fait. Ça pourrait être d'ailleurs un premier élément de réponse face aux tensions, de rester agile. Toutefois, la question que je posais sur l'instance qui pourrait associer les publics
et les non-publics, en fait, les usagers et non-usagers de la bibliothèque, dépassaient la seule question des partenariats qui sont nécessaires et qui, effectivement, dynamisent, aiguillonnent les bibliothèques, sans aucun doute, parce que derrière les partenaires, il y a des usagers, jeunes, moins jeunes, les ados, les tout-petits, etc., et leurs médiateurs. Moi, en fait, j'avais en tête ce que font, alors je sais que c'est un modèle qu'on n'aime pas invoquer, mais enfin quand même, le modèle des bibliothèques publiques américaines qui ont leur library board avec l'accent, c'est-à-dire une forme de conseil de la bibliothèque qui est formée, alors c'est une approche évidemment communautaire qu'on n'aime pas beaucoup en France, mais qui est formée effectivement de corps constitués ou de différentes communautés qui ne sont pas tous des usagers et qui sont en dialogue permanent avec la direction de la bibliothèque pour questionner les collections, les services, les espaces, l'aménagement. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, non pas pour le reproduire, mais en vous écoutant, au fond, tous ces partenaires, je pense notamment aux partenaires institutionnels des collectivités, les services jeunesse, les services enfance, les services enseignement, les crèches, enfin tous ceux qui sont des partenaires naturels des bibliothèques dans leur territoire, pourrait très bien être fédéré dans ce type de conseil de la bibliothèque pour instaurer un dialogue permanent, à charge pour nous de le rendre agile aussi, de le rendre vivant. Et je préférerais ça, à titre personnel, aux quelques démarches auxquelles d'ailleurs j'avais contribué. Hein, je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas le faire. Dans l'aiguillon qu'a été l'engouement des élus pour la démocratie participative, et ça continue. Moi, j'avais beaucoup de. Je suis d'ailleurs dans une ville qui le pratique beaucoup, j'ai une approche assez critique de cette question, mais si on s'en empare, on pourrait peut-être effectivement s'en emparer pour avoir des relais dans la ville de façon un peu plus formelle et peut-être nous faire sortir de façon permanente de ce jargon. Alors évidemment, dès qu'on parle de permanence, ça entre en tension aussi avec l'agilité dont on parlait juste avant. Tout est autant une question d'équilibre, comme d'habitude. Mais c'est vrai que la voix des collègues de la collectivité, des services avec lesquels nous sommes en relation, et je pense qu'à l'université, finalement, c'est pareil. Et je le disais, c'est vrai, le disait au téléphone. Je crois que autant il y a eu, je trouve, des grosses différences entre bibliothécaires en BU et en BM dans l'histoire, autant je trouve que plus ça avance et plus on fait vraiment le même métier, quoi. Donc moi je pense que une des manières d'essayer de tenter à être compréhensible, c'est déjà d'effectivement de pouvoir parler à nos collègues. Quand j'entends nos collègues, c'est en dehors de la bibliothèque. C'est déjà une première étape. Et il y a 30 ans, je ne suis pas sûre qu'on était compréhensible du tout. Je ne suis même pas sûre qu'on voulait l'être, hein, d'ailleurs, auprès de ses collègues en question. Je pense que la bibliothèque était très vivait en autarcie et que, d'une manière ou d'une autre, ça nous arrangeait bien. Les temps ont changé. Je le dis, je fais un peu de provoque aussi, hein. On se refait pas, les temps ont changé, ils sont beaucoup plus difficiles, on a besoin d'être plus connus dans nos collectivités pour exister, et je pense que c'est une bonne chose, y compris pour l'usager in fine, quoi. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui peut se jouer là, en termes d'étapes, et sur lesquelles on peut vous laisser réagir aussi. Peut-être les élèves conservateurs de l'INET ont-ils beaucoup de choses à dire sur la question, parce que il y a quand même cette formation des conservateurs territoriaux qui a basculé à l'INET, donc sur une formation vraiment territoriale et autre. Donc ce serait peut-être intéressant de les entendre sur ces questions. Et il y a déjà une intervention ici. Oui, là, Anne-Marie Quatrom, la BU de Nice, c'est un autre exemple d'instance en bibliothèque universitaire. C'est la mise en place depuis plus d'une quinzaine d'années de cercles de qualité, donc qui est un lieu de dialogue entre les enseignants-chercheurs et le personnel de la bibliothèque universitaire, où l'on parlait essentiellement du choix des abonnements de titres de périodiques, de bases de données. Le problème, c'est qu'avec la crise, ça devient très tendu, puisque maintenant, on en est à, lors de ces discussions, quel est l'abonnement que nous allons devoir supprimer. Donc ça c'est moins heureux. Il y a une crise. On m'a caché ça. Donc, les élèves conservateurs réagissent. Merci de nous tendre la perche, c'est très sympathique. Je vous en prie.
Je redis ce que j'avais dit aussi avant quand même, c'est vrai que c'est la question des services au public, je pense, qui pourrait rendre vraiment de la lisibilité à nos établissements. Et puis sinon, j'ai vraiment, ça m'a donné beaucoup d'idées, l'intervention de Benoît Tulleux sur l'idée d'une sorte de conseil de perfectionnement de la bibliothèque ouvert sur des institutions participatives ou des partenariats, donc d'autres services de la ville, parce que par les temps qui courent, la transversalité ou la coopération entre les services donc, est nécessaire, et également pour inventer d'autres modèles qui soient plus efficaces. Donc voilà, je vais dans ce sens-là. Ouais. Juste dire un mot sur les services quand même. Donc, sur les services aux usagers, la mise en place de nouveaux services aux usagers dans une bibliothèque, la seule chose que je peux dire, c'est peut-être... Ça peut vous paraître simpliste, mais c'est quand même vrai. C'est qu'un vrai bon service qui répond à un vrai gros besoin de l'usager, il se met en place tout seul. Il est pris en charge par l'usager en 2 secondes chrono. Et en 10 jours chrono, si vous revenez en arrière, vous avez 10 000 lettres de protestation. Donc je pense que quand quelque chose est vraiment... pas forcément souhaité par l'usager, pas forcément demandé, mais en tout cas que ça trouve son utilisation et son utilité, ça va. Tout seul, on n'a pas besoin. Et là, on n'est pas incompréhensible du tout. Hein. Donc, voilà. Sylvie Bonnel, oui. juste une réaction sur le concept de co-construction ou de participation, de démarche participative, etc. Après, il faut qu'on soit en mesure, quel que soit le type de bibliothèque où on est, BU, BM, BNF, être capable de répondre. C'est-à-dire être capable de répondre à des attentes. Et des fois, on n'en est pas capable. Enfin, moi, je prends l'exemple que je connais actuellement à la BNF, où il y a l'association des lecteurs de la BNF, qui manifeste, par le biais de sa page Facebook ou autre, des attentes vis-à-vis de cet établissement, mais ça peut être le cas dans plein d'autres bibliothèques. Et parfois, on ne peut pas répondre positivement à des attentes. Et il faut savoir ou pouvoir gérer cette frustration et rendre compréhensible à l'usager qui a eu la gentillesse et la démarche de s'exprimer, pouvoir lui rendre compréhensible pourquoi on n'est pas en capacité de satisfaire son attente. Donc voilà, je trouve que c'est à la fois formidable, la démarche participative, mais ça peut aussi tomber dans une démagogie qui est plus génératrice de frustration qu'autre chose. Pour compléter ce que dit Sylvie, je souscris à ce que tu dis, Sylvie. On peut aussi attendre des choses intéressante parce que le public dit une des premières choses qu'il peut dire souvent quand on lui laisse la parole, c'est surprenez-nous, c'est-à-dire continuer à nous offrir des choses qu'on n'attendait pas et qu'on ne demande pas. Et du coup, ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça surmonte le débat habituel sur l'offre et la demande, la crainte que parce qu'on va donner la parole au public, on va entrer dans une forme de démagogie de la simple demande et que la somme des demandes du public, ça ne fait pas une politique globale pour l'intérêt général. C'est pas vrai parce que le public, en fait, il attend aussi d'être surpris. Ça fait partie de ses demandes. Et donc, effectivement, il ne faut pas le décevoir. Effectivement, il faut pas, il faut s'attendre à ne pas pouvoir répondre à toutes ces demandes, mais au moins celle-là, c'est-à-dire celle de nous remettre aussi dans le cœur de notre métier, qui est aussi de surprendre, d'offrir au public des services et des collections qu'il n'attendrait pas. Ça nous conforte aussi dans notre mission. Alors il reste 5 minutes pour conclure, donc s'il y a des questions, il faut vous dépêcher, puis je redonnerai peut-être la parole à mes collègues avant de nous séparer. Donc il y en a. Oui, je voulais rebondir sur la question de surprendre, parce que je pense que c'est aussi, il faut qu'on arrive à lâcher prise avec un certain nombre d'exigences qu'on a à nos bibliothécaires, notamment je pense à la programmation culturelle. Si un partenaire vient nous voir, veut organiser dans 2 jours quelque chose à la bibliothèque, oulala, c'est sûrement pas possible, il faut que ça soit dans le programme, il y a les délais de com, voilà. Et donc là, je voudrais parler d'une expérience qui a eu lieu dans une bibliothèque de quartier, qui était en fait une scène ouverte et élaborée avec une association et qui a réuni 150 personnes là où nos lectures réunissent péniblement 30 personnes, enfin, et qui était vraiment un modèle parce qu'effectivement c'était donc une succession d'interventions amateurs et professionnelles sur du slam, de la poésie, mais du théâtre, et qui donnait un autre visage à la bibliothèque et qui a vraiment permis de donner une autre image de la bibliothèque
bibliothèque et sans qu'on s'enferme dans ces exigences de programmation, de communication. Et je crois qu'on est souvent enfermé dans des exigences qui nous coupent aussi de certains publics. Et je crois que ça, c'est aussi important d'avoir ça à l'esprit quand on veut co-construire avec les publics. Merci. Il y a encore une réaction, une seule. Une question ? Alors, je vais redonner la parole à mes collègues, peut-être. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez dire pour conclure, ou je vais conclure de manière j'ai aussi synthétique que possible. Je n'ai jamais fait ça, mais je pense que là, ce sera bienvenu. Donc, en fait, je ne vais pas vous faire une synthèse comme on l'entend et parfois, et comme j'ai l'habitude de le faire quand j'anime une table ronde. Je vais juste vous donner quelques mots qui m'ont marqué au cours de la discussion et avec lesquels je repartirai, et peut-être vous repartirez aussi. Donc, je vous laisse avec ça. Se protéger, surprendre, lâcher prise, part d'implicite, de jeu, de souplesse, agilité. J'en rajouterai un que je n'ai pas entendu, mais qu'il faut peut-être qu'on garde aussi. Il faut peut-être garder dans tout ce qu'on fait une part de rêve. Merci. Et bon congrès encore. Merci, chers collègues. Merci à vous. En fait, c'est bien qu'on soit au début, c'était très théorique. Oui, oui, oui. Il y a toujours un truc. Oui, oui, il y a toujours un truc qu'on n'a pas dû dire ou pas. Mais quand même, on a parlé. Oui, oui, mais moi d'ailleurs, je crains.